J'espère que vous allez bien en ce samedi matin, temps tout moche. Nous sommes en voiture, temps tout moche. Ah, temps tout moche, j'ai cru tente moche, j'ai fait pas que tu parles de tente. Non, je parle pas de tente, mon gars. Nous sommes en route direction le week-end chez la maman d'Anthony. Et c'est dommage parce qu'on bouge, avec un temps tout moche, tente moche, un temps tente moche, voilà. Bah, de toute façon, ça va, on va juste voir ma mère. Enfin voilà, let's go to voir la mamie. On va voir mamie, Eden ? Mamie. Et voilà ce qu'on vient d'acheter pour belle-maman. Une petite orchidée. Je cherche un bouquet de fleurs, mais on n'a pas trouvé de fleuriste. Donc du coup, on s'est posé pour une petite orchidée. Ça y est, on est bien chez mamie. Et il y en a deux qui ont déjà trouvé l'espace jeu. Voilà, mamie avait déjà prévu les affaires. Qu'est-ce que... Ah, c'est coincé, mon cœur. On va découvrir. Attends, en ce moment, hop, voilà. Et bien sûr, Lily Rose, la seule chose qu'elle a trouvé, c'est le ballon. Et voilà, et on lui a du coup donné sa petite orchidée à mamie. Et chez mamie, pour l'apéro, c'est caillettes et saucisses. Fait maison ? Bah oui, c'est Jérôme et Marie-Lou. Donc, du fait maison. Voilà. Et on a une chouchou qui fait une danse, qui s'est arrêtée. D'ailleurs, vous avez remarqué, il s'est rasé. Il n'y a plus de barbe. 1 kg en moins. Non, peut-être pas. 3 kg. On est dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nœud. Bon, mais justement, ça fait bizarre en fait. Ils ont mis une coupe exprès pour mettre le nœud. Ouais, j'aime bien moi. Anto, il se le perturbe le nœud là, tu vois. Ça te perturbe? Bah, il sert à rien. C'est joli. Je l'aurais mis derrière. Mais non, c'est fait exprès pour être devant, mon cœur. Chouchou est perplexe sur ma robe. Et on va faire petite plancha. On enchaîne la barbecue plancha. On mange bien gras. Non, pas gras. Pas gras, mais en tout cas, on mange pas mal de viande, très clairement, ça c'est sûr. Regarde, elle l'a remis. Ah, mamie ? Elle essaye de la remettre, tout du moins. Mamie, j'arrive pas à remettre tes chaussures, moi. Lily. Tiens, ma chérie. Non, interdit là. Interdit. Là, c'est interdit. Tiens. Non, t'en veux plus? Non, je veux jouer avec. Ah toi, non, mamie. C'est à mamie. Tiens. Mamie te prête la sienne. Voilà. Alors, il faut voir. Attends. Voilà. Allez, va. Ça fait bizarre au pied. C'est ça. Voilà. Elle essaie de se balader avec la chaussure. Tu l'as perdu, mon cœur. Tu l'as perdu. Regardez le bazar qu'ont fait les enfants, quoi. Ils ont retourné. Mais je vais vous montrer une photo. J'ai retrouvé dans la chambre de ma belle-mère. Une photo. Hop, j'essaye d'allumer la lumière. De Anthony Petit à l'âge... Quel âge a-t-il sur la photo? Je vais vous dire ça. Hop, je vous pose, on va se poser 2 secondes. Donc c'est une photo d'Anthony et de son grand frère enfant. Donc je vais cacher le grand frère. Mais voici Anthony. Il y a à peu près 3 ans, 2-3 ans je crois. Je suis demandée à ma belle-mère. C'était en quelle année? C'est pas précisé. Je pense qu'elle sera me dire quel âge j'avais Anthony ici. Mais voilà, et on voit vraiment bien Lily Rose. Par contre, pas du tout la même forme des yeux, mais le blond, etc. Moi, je trouve que personnellement, ils peuvent pas se renier. Quoi. La bouche, le nez. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que leur ressemblance, c'est pas grande. Je vais lui demander qui a ta première chance. Denise, il avait quel âge Anthony sur la photo? Là? Oui, à peu près. Anthony? 2-3 ans? 3 ans? Non. Là, il avait 18 mois. 18 mois? Aussi petit? Ah, moi, j'aurais cru beaucoup plus petit. Plus grand? Je suis fatiguée. J'aurais cru beaucoup plus grand. C'est chouette, ça, comme ça, les photos de famille. Du coup, on, très clairement, Anto ne peut pas renier ses enfants. Non. Non, la ressemblance est beaucoup trop flagrante, surtout avec sa fille. C'est un truc de fou, ouais. Comme plus le temps passe et plus on voit qu'Eden plus de moi, mis à part qu'il est blond et que Lily c'est son père. Quoi. Bon, je vous retrouve, 18h, déjà fin de journée. Enfin,
17h52. On a mis nos enfants à la sieste. Nous, on a mangé à 15h avec Eden et Denise, la maman d'Anthony. Et après, Denise a essayé d'aller faire la sieste avec Eden, ce qui n'a pas été une bonne réussite, parce qu'Eden était trop content d'avoir mamie à côté de lui, il l'a empêché de dormir. Mais en revanche, moi, je me suis lamentablement endormie sur le canapé. Je crois que deux nuits ultra courtes avec les enfants qui sont beaucoup réveillés avec les chaleurs. Clairement, j'ai dû dormir 2 heures. D'accord, parce que tu m'as réveillée. Hein. J'ai dû m'endormir à max 16 heures. Et 18h, Anthony me fait un bisou. Ils sont partis faire les courses, sont revenus. C'est ça, vous êtes partis faire des courses, hein? Parce que t'es revenu avec des glaces et toutes les choses pour faire à manger. Donc je les ai même pas entendus partir. Pourtant, j'étais sur le canapé, donc j'étais pas bien loin. Et je me réveille avec ce mal à l'œil. Deuxième jour, je suis entendue. Je sais pas pourquoi. J'ai les yeux un peu sensibles ce matin. Enfin, je les sentais. Comme si vous sentez particulièrement une partie de votre corps. Je me suis dit. J'ai chopé le début de conjonctivite de Hirose et je pense que c'est pas raté. On voit quand même la différence entre mes deux yeux. Donc j'ai chopé ça de ce côté. Donc ce soir, enfin, je vais commencer à mettre comme Lily des colliers dans mon œil. Et s'il faut, j'irai au médecin lundi. Parce que j'ai pas d'autre option en termes de planning. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, la mamie a ouvert le coffre avec à sable. Donc voilà, mamie profite bien de ses petits loulous. Elle a pris sa demi-journée, Denise, parce que elle tient un tabac, le tabac de Pogre. Donc si jamais vous avez envie de faire coucou à la famille, à Pogre, c'est ma belle-mère qui tient un tabac. Et elle bosse tous les jours, toute la journée, et que le dimanche matin. Donc en gros, normalement, elle n'a que en journée dispo, elle n'a que le dimanche après-midi. Et normalement, samedi, elle fait une coupure entre midi et 16h, mais ferme plus tard. Là, elle a pris sa journée, enfin sa demi-journée, pour pouvoir profiter des loulous. Donc du coup, c'est fait au sens propre, puisqu'elle ne les lâche pas. Elle en profite jusqu'au bout. Elle a bien raison, du coup, c'est super chouette, parce que je ne savais pas si elle prendrait une demi-journée. Donc on pensait qu'on allait la voir à son moment, au moment où après elle rentrerait du tabac. Donc c'est plutôt chouette. Puis les enfants, ils sont contents. Hein. Ils sont contents pour avoir les mamies. Les mamies, c'est des histoires d'amour. Anthony a voulu taquiner Eden, tout à l'heure, il a fait... Allez Eden, c'est bon, rentre, tu fais bisous mamie. Oui, oh, il était pas content. Oh non, bisous mamie. Il voulait pas partir. Donc voilà, on en profite. Et moi du coup, pour le coup, j'essaie de récupérer avant de rattaquer la semaine. Et voilà, là c'est l'espace bac à sable de mamie. Qui est déjà envahi de jouer par les loulous. Par contre, toi t'avais une couette sur la tête, mais ça c'était avant, non? Parce que maintenant... Et mamie, elle a pas eu de fille, alors est-ce que mamie, elle sait faire les couettes aux petites? Vous sauriez lui refaire une couette, Denise? Ah oui, j'ai pas eu de fille, mais quand même. Anthony commence à arriver à faire des... Ah bah là, vous pouvez lui courir après. Hein. Mamie, elle a gardé des filles. Attention. Oui, oui. Oui, oui, à ça. Attends. Mamie, dans une autre vie, elle était nounou. Et ça, c'était avant de devenir... Comment, c'est quoi le terme? Vous tenez un tabac, mais vous êtes une... Commerçante. Commerçante. Buraliste. Buraliste, voilà. Je fais la presse, la déchet. Voilà. On dit merci, mamie, pour ma petite couette. Ah bah, un beau palmier, tiens. Tiens, voilà. Je crois qu'on a perdu Eden. Hein. Il est dans le sable, je dirais, ça fait 1 heure, les amis. Il n'a pas bougé du bec à sable. C'est... Il adore ça, quoi. Comme quand il est à la mer, il joue dans son bec. C'est vrai que ça donne envie de pouvoir en prendre à la maison. Le problème, c'est que nous, on a un chat et on a pas mal de chats. Donc, puis, je vais pas vous mentir, Denise a déjà dû balayer 2 fois l'intérieur de la maison parce qu'ils en ont ramené. Ça me tente pas trop pour le coup en termes d'entretien. Mais voilà. Ou on leur fait plaisir, ou ils le gardent chez mamie au plaisir à l'occasion. C'est pas mal aussi. Mais en tout cas, il est posé. Il est à 19h30. À l'ombre un peu avec le froid. On retourne le parasol, il commence à faire un peu d'air frais. C'est hyper agréable. Bon les amis, je vous retrouve, il est déjà presque 22h, je pense. 21h36, bon j'étais un peu optimiste dans l'heure. On vient donc, je suis juste à l'instant Eden qui a profité au maximum de mamie. Bon, il la voit demain, mais là non. Il voulait jouer avec mamie. Bon, c'est le week-end, c'est les vacances, il profite. Donc je pense qu'il devrait plutôt bien dormir. Lily était couchée à 20h, elle. Elle était couchée plus tôt, mais elle s'est quand même couchée
plus tard, dans 20h30, même Fatine, elle a bu son biberon à 20h. On l'a douché derrière et on l'a couché. Donc un peu plus tard, je dirais même 20h30. Donc ils sont couchés plus tard que d'habitude. Mais bon, ils ont profité du jardin, ils ont joué, ils sont dépensés. Donc on verra s'ils se lèvent tôt. Point microbes, puisque du coup hier je vous disais qu'ils étaient commencés à être malades. Donc Lily Rose a toujours les yeux rouges. Par contre, elle n'a pas les yeux collés le matin, ni spécialement un petit caca d'œil vite fait, mais vite fait, c'est pas choquant. Donc je pense que la conjonctivite est pas forte, je pense que c'est un début, mais ça a pas l'air. C'est comme ça fait déjà, c'est le troisième jour. Je pense que ça devrait aller. Eden n'a pas toussé de la journée, ou vite fait deux fois par-ci par-là, ça a été très rare. Le nez qui coule beaucoup moins, donc en fait ça finit par aller mieux au final. Donc voilà, pas de fièvre, alors que hier il nous a fait de la fièvre. Donc on est plutôt content, le point de microbe va bien. Et moi finalement ça va, je sens quand même que j'ai les yeux sensibles, donc je pense que voilà, je vais désinfecter un petit peu avec des colires et puis ça devrait aller. Finalement, nous avons évité le pire. Donc bon, je vais vous laisser sur ce petit point. On va pas tarder à aller se coucher aussi avec Chouchou. On vous fait des bisous. On se donne rendez-vous, bah, comme toujours, demain midi à la même heure pour un vlog. Merci d'avoir regardé celui-là et à demain. Bisous Chouchou.